Merci. Vraiment, à part le mot de Dieu, il y a une belle combinaison de Jésus-Christ. À Sala, Dengue, à Sala, dans la Bible, on mérite un mot au nom de Jésus. Merci. Tout comme si vous avez un mot qui toque. En maternité en Zambie. En maternité en Zambie. Maman, a boti. Au moment où il y a mon kini barobakao, a sa dit ce qui triplé, ce qui doublé. Yesu a le kikak. Yesu a boti par ma passe à ce qui va traterne. Thank you.
Voilà, Mingo, les hommes, t'as passé dans ça, mais pas au là. Allez, allez, oui. Sili au Télémi. Tant que Sili au Télémi. Mon lieu, mon sang,
Zamba sali ya minene. Kombo na ye ekuma malibela na libela. Kitisa mutu osambela pona liloba nzambe. Senga na ye ete poko na lelo alobela yo en particulier. Mingi mingi to senga ka chaque jour que tango de terre dingi kote sama o senga ka na ye afungola intelligence na yo. Afungola mayele na yo pour comprendre ba écriture oyo ba kopesa. Au comprendre explication yon so ba kopesa. Et ensuite à travers liloba ya lelo nzambe abakisela yo kondima. Kwete yo longa mokili. Sambela na kombo na Yesu Kristo. Kolo Yesu Kristo to pesi yo merci. Kwete tango koki to koka na koyoka liloba na yo. Nazotika auditoire na makoko na yo. Ezala motei. Ezala bayo kikolo. Ete solo. Otata na yo etali sa makati na biso. Kolo loba kete na tango na suka moko ta koloba na moja. Ye banzambe kasipansu ba kote isama na yo. Et c'est Pélissa, et Kolo Yesu Kristo, côté Abisso, à travers l'instrument, utilisé comme vase d'honneur pour l'usage utile dans la maison des rois. Autant de Saïna, ainsi dit le Seigneur. Oui, pour l'Abisso, pour l'Abisso, le Kola Mabele qui toque. Oui, Seigneur, tout ça, qui a été. Il va oyo ekopakisela biso kondima po ete tolonga mokili wane komamikati na buku na yo esanto elobi ete biso tozana elonga na mokili elongo epesa me biso na mokili zande kondima na biso zoka kondima ezo uta na liloba ya moto te kasi na liloba na yo Kristo Yesu te ya biso na kombo na yo kolo mokonzi pe mobikisi na biso Yesu Kristo lobi amen. 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 Bon appétit d'avance. Merci. Voilà tout ce pète à ma boca makasi. Bon adieu banzambe. Bisous de l'embarras de pète à ma boca terre. Le gagnant se te repète avec ma toque pour me causer la bongi. Yé mon lobby malade. Merci. Voilà. Tout est l'émissi monté na bisous. Bien aimé, mesdames. Tiala Kimbembe, ya se pena kaba benga e bongo. Notre frère. Elongona traducteur na biso frère Jonas. Un bon dimbo la terre. Dimbo la fort. Kimia ya Kolo Yesu Kristo na moko na moko. Que la paix de Jésus Christ soit le partage de tout un chacun. Ngolo na zambe komisi bisoti mokolo le 26 décembre. C'est la grâce de Dieu qui nous a fait parvenir jusqu'en ces jours du 26 décembre 2021. Selon le programme où tu as arrêté qui. Selon le programme qu'on avait arrêté par la grâce de Dieu. Et kokisami na makasi na biso te parce que biso toza batona botao. Cela ne s'est pas accompli par nos propres efforts parce que nous sommes des hommes faibles. Toza batuya lobio et les kaki. Nous sommes les gens d'hier. Liboso nzambe nda ebiango. Et l'avenir c'est Dieu qui les connaît. Et le lenge to komikina mukona le lotro zali kuzungisela ni matondi mingi. Et nous lui rendons des actions de grâce parce que nous sommes arrivés au jour d'aujourd'hui. Et tous allez croire que tous tombent dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Et nous croyons que nous élevons le nom du Seigneur Jésus Christ. Non, nous salanions sur tous nos salas. Dans tous les services que nous faisons. C'est pour que la gloire revienne au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur soit glorifié pour la présence des ministres de Dieu et d'autres serviteurs. Et même pour la présence na yo. Et même pour ta présence à toi, bien-aimé. Et surtout le col persévéré depuis le début jusqu'à la fin. Et surtout comme tu as persévéré depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. La parole vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Malamu suka yalikambu ke pandeni na yango. Et puis kozwa likambu kozwa iloko e par zambe. Et puis recevoir quelque chose de la part du Seigneur.
Et cela demande toujours la foi. Il n'y a rien que le Seigneur s'en est lassé. Il faut qu'en toi que tu puisses avoir la foi. Moi je ne suis rien. C'est le Seigneur qui est tout. Tu étais venu vers lui ou chez lui. C'est lui qui est capable de révéler ce qui est caché. C'est lui qui est tout pour nous. Et c'est pourquoi tu n'as copé ça y est le boum kenbo masanjoli. C'est pourquoi nous aimons toujours lui rendre la gloire, l'honneur et la sommérité en gomingi. Il le mérite abondamment bien. Nous allons dans le texte na biso. Nous sommes toujours dans notre texte. Oh yo, nous allons dans mon Éphésiens 4 tout en gaki. Que nous avons lu hier dans Éphésiens 4. Dans verset 5 na 6. Au verset 5 et 6. Donc on va même na 4. On va même commencer à partir du verset 4. Éphésiens 4, le verset 4 jusqu'à 6. Il y a un seul corps. Ezalika kananzoto moko. Un seul esprit. Pe molimo moko. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Le lege moko bobangama na elika moko na nzela libianga mina bino. Il y a un seul Seigneur. Ezali nankolo kaka moko. Une seule foi. Kaka kondima moko. Un seul baptême. Peli batisi moko. Un seul Dieu. Nzambe moko. Et père de tous. Oyazali tata na banso. Qui est au-dessus de tous. Oyazali likolo na banso. Et parmi tous. Pe katikati na banso. Et en tous. Pe na kati ya banso. Et Dieu bénisse le Dieu. Nzambe apambola litangi. Ofanda. Vous allez vous rasseoir. Dimakata ce que la parole est zoyo kaisa solution. Crois toujours que la parole que tu écoutes est la solution. Motoyo azuli batisi lelo. Celui qui a reçu le baptême aujourd'hui. Okoti na bomo ya kitoko. Tu es entré dans une bonne vie. Il faut y baquer. Mais il faut savoir. Zambe na mobeko na ye. Le Seigneur dans sa loi. Parce que ça législateur. Oui, tazali mosali mibeko. Aye bisaki Nicodème. Il avait dit à Nicodème. Alors, Billy, ils sont au botami, balaya sikate, au bokota, au bokonza zambete. Si tu n'es pas de nouveau, tu n'entreras pas non plus dans le royaume. Alors, les docteurs de la loi posaient qui est question. Alors, les docteurs de la loi l'avaient interrogé. Alors, est-ce que n'a pas zonga na libuma mama na ngana botama sik. Rentrerai-je encore dans le sein maternel pour renaître ou naître de nouveau? Le Seigneur a posé qu'il a dit que toi qui es un docteur de la loi, il dit Makambo Yote. Yosali Molakisia Mobeko, il dit Makambo Yote, Nicodème. Oui, moi, il est Bango Isate parce qu'il y a Zalaki un homme, il y a première lecture. Il n'y avait pas moyen qu'il puisse le savoir parce qu'il était quelqu'un de la première lecture. Donc, Zalaki est lié à la loi. Donc, ils étaient ceux-là qui étaient liés à la loi. Maintenant, le Seigneur a eu une lecture Moussoussoukou Abako expliqué sans y a Makambolisous. Alors, le Seigneur avait apporté une autre lecture pour expliquer l'essence de certaines choses. Colonne à Jean 3 maintenant. Le Seigneur dans Jean 3. Alors, il faut botama na mai. Il faut naître tout et d'esprit. Total, ça qui est l'écriture de Dieu. On avait montré dans l'écriture de Dieu. Et tinda oyo kolo alobaki na Matthieu 28. L'ordre que le Seigneur avait donné dans Matthieu 28. Bakende ko batisa na kombo. Moko. Ezali ya tata, ya mwana pe ya molimo autant. Qu'ils aillent baptiser au seul nom qui est celui du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun apôtre a baptisé Bongo. Aucun apôtre n'avait baptisé de cette façon. Zambé le Béliné Zalaki parabolique. Le langage de Jésus en cet endroit était une parabole. Tolobaki Boye. On avait dit ceci. Soko Tangi Matthieu chapitre 28. Si tu lis Matthieu chapitre 28. Le Lengi alobaki ke ba baptisa na kombo ya tata ya mwana na molimo santu. Lorsqu'il avait donné l'ordre des baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au verset 19, nous lisons dans le Christ. Allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Donc, combo en a moko en esa ya tata. Et c'est ce nom là, c'est le nom du Père. Yango moko ya moana. Et le même nom, c'est celui Yango du moko ya molimo sante. Et celui du Saint-Esprit aussi. Totali saki boye. On avait montré comme ceci, bien aimé. Le sambo ya Yesu eza pona ba oyo yo. Bazondima maloba na ye Yesu na nzela maloba apôtre plutôt. On avait dit que la prière de Jésus est en faveur de ceux qui croient en Jésus par la parole des apôtres. Donc celui moto a boa ki maloba apôtre, si quelqu'un rejette la parole ou l'enseignement des apôtres, yebaka que la prière de Jésus est bonne à être. Et qu'il sache aussi que la prière de Jésus n'est pas non plus en sa faveur. Aucun apôtre a baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun apôtre dans la Bible n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est mon Jésus à la Bible dans Jean 16. Lui-même Jésus a dit ceci dans Jean 16. Dans verset 25. Au verset 25. Tous autant à yango les sous. Nous le relisons. À la Bible. Il dit ceci. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc, dans le Baki, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'il leur avait dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Méliwana est un parabole encore. Ce langage-là n'était qu'une parabole. Parce qu'il a prononcé un Père. Parce qu'il n'avait prononcé que Père. Mais il a tango yé azoya ko komisama kambo na polele. Mais il viendra un temps où il viendra ouvrir les choses. Il y a d'autres qui ont un bon souci, mais dépourvus d'intelligence. Ils se sont posé la question. Entre Jésus. Na Pierre. Et Pierre. Na Nazamone. Qui est le plus grand? Mon Alisanga, ils ont dit Jésus-Christ. Et l'assemblée répond Jésus-Christ qui est. Bah, c'est sous question. Et puis il souci a bien. Le bon souci. Mais maillé les désangés. Mais dépourvus d'intelligence. Et même la parole que Jésus avait dit. Et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole que Pierre a dit. Nous puissions baptiser au nom de Jésus. Laquelle des paroles des grands Jésus. Vous allez voir, entendre l'auditoire répondre, nous allons suivre la parole de Jésus. Mais nous disons ceci. Jésus alobaki na Matthieu 28. Jésus qui avait dit dans Matthieu 28. Yemoko alobaki un peu de temps vous ne me verrez plus. Lui-même avait dit tant que moke boko mona kangali sous terre. Mais dans un peu de temps vous me verrez car je serai en vous. Kasi tant que moke boko mona kanga puna kozala kati na bino. Ezande na lobi na Jean 14. C'est comme il a dit dans Jean 14. Donc à kozala kati. Il sera en nous. Donc tant que Pierre a télémaki. Donc lorsque Pierre s'était levé. Dans acte 2. Yotanga gande Jean 14. Toi il faut lire Jean 14. Alobi boy. Il dit ceci. Si vous m'aimez à partir de verset 15, so qui bolingi nga, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Voilà verset 16. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne voit point. Et ne le connaît point. Mais vous. Vous le connaissez. Le Saint-Esprit est la camine, vous voyez bien déjà. Le Saint-Esprit qui est promis, mais vous le connaissez déjà. Car il est demeure avec vous. Et il sera en vous. Donc, tant que Pierre a télémaqué dans acte 2, lorsque Pierre s'était levé dans acte 2, et bien il faut considérer. La portion de l'écriture que tu dois considérer, il sera en vous. À cause de la catina bino. Donc en Pierre il y avait Jésus-Christ sous forme du Saint-Esprit. Nakati a pété
ezalaki na Yesu Kristo na lolenge ya molimo sang. Et c'est poussé par l'esprit alobaki ke baptême est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était poussé par l'esprit qu'il avait dit que le baptême est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bazoyo, on t'avait pris. Ma condition na mai mbala misak. Et on t'a plongé trois fois. Alobi au nom de Jésus. On a dit au nom de Jésus. Tunaye. Il faut lui poser la question. Que signifie immerger trois fois dans l'eau? Parce que immerger représente la mort. Et sortir des eaux représente la résurrection. Amen. Le Seigneur n'est pas mort trois fois. Il n'est mort qu'une seule fois. Et pourquoi baptême est en combo na et pourquoi le baptême n'est qu'en son nom? Oui, parce qu'à l'obagi dans Luc 24, parce qu'il avait dit dans Luc 24 la repentance, kobongo la côté et le pardon du péché. Mais pour l'émission, c'est côté à man à combo na serait prêché en son nom. Yamo moni, c'est pourquoi tu verras ton tari sagi que père boy est en combo. On avait montré que le père comme ça n'est pas mais ça bon ça là, mais c'est un attribut. C'est dans la tribu du Père qu'il a tout engendré. Comme nous le voyons créer les cieux et la terre, akeli baton, et il a créé les hommes, a sali aussi création invisible, il a aussi créé ce qui ne se voit pas à l'œil. C'est ça, Père. C'est pourquoi Ephésiens 4 qu'on vient de lire. Azon Mimisa Azali, Père de tous. Au-dessus de tous. Nous atteste qu'il est père de tous, au-dessus de tous. Mais il est mon corps à Talisaki aussi. Mais lui-même, il avait aussi montré. Et Kenimosus. Une autre portion. Parmi tous. Nakatikati Abanso. Yamone Lemboya Emmanuel. Et c'est ça le signe d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc Dieu parmi son peuple. Nzambe Katikati Alibotanae. Donc Zambe Nakati Alibotesa Jésus-Christ. Donc Dieu parmi le peuple, c'est la venue de Jésus-Christ. Yabonde totalisaki. C'est ce que nous avions montré. Mais Yemokoana en tous. Mais lui-même là, le Père est aussi en tous. Donc Aïe comme le Saint-Esprit. Donc il est venu comme le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et ça lui colloye sous hier mon corps. Mais aïe pour asseler bisoto comme adopté. Mais il est venu nous sceller afin que nous devenions enfants de Dieu. Parce que l'héritage, tu vas l'hériter étant fils de Dieu. L'héritage d'une tribu ne passera pas vers une autre. Si tu es dans la famille de Dieu, tu recevras l'héritage qui l'aide à la vie éternelle. C'est pourquoi tu es lié au Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Saint-Esprit a un rôle. Le Saint-Esprit a d'abord pour rôle. Yakosala que yo appartenir na Zambé. De faire que toi tu es là, que tu puisses appartenir à Dieu. Par le Saint-Esprit. Alors tu sauras aussi les choses de Dieu. Par le Saint-Esprit, Nanzela Moli Mosotu, Nenzoto Yonati. Alors, cette chair que tu as portée sera transformée. Pour que tu reçoives le corps tel que Jésus avait lors de son enlèvement. Yamotina ya Saint-Esprit. Et c'est ça le rôle, le but du Saint-Esprit. Donc, c'est pour la rédemption de ce corps charnel. Ce qui est Saint-Esprit en terre, donc s'il n'y a pas de Saint-Esprit, n'espère pas non plus en ton enlèvement. Mais Saint-Esprit est là quand il y a une vraie parole. Mais le Saint-Esprit ne vient que là où il y a la vraie parole. Et le Saint-Esprit, c'est hier dans le bâti, je ne vous laisserai point en faire. Mais mon livre, mon sang, tout dans le bâti, est dans la petite cabine de Banitique. La cause à toujours bino. La cause à la cause à la cause à bino. Dans les écritures de Dieu, Nakati a commis en Zambé, le créateur du ciel et de la terre éternel,
mokeli makolo pe na se Yahweh asala misala mingi. Il avait accompli beaucoup d'œuvres. Ani benga na elobeli zike. Il s'est appelé par beaucoup de noms. Ani benga emogondaza rocher. Il s'était lui-même appelé le rocher libanga. Alodi rocher mususu apari ya zalagate. Il a dit il n'y a point d'autre rocher hors de lui. Mais yeo aza rocher. Mais lui qui est le rocher. Na Esaïe 44. Dans verset 8. Dans Esaïe 44, le verset 8. L'écriture est remis pour autant dans la combe sur Christ. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'étais-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? C'est sa question. C'est une question, bien-aimé. Motomususu a pour répondre. Une autre personne pourrait répondre. Alobi oui. Oui. Trinité. Il y a la Trinité. Nzambe Misak. Moussa Boni Nzambe Tata Nzambe Moi Nzambe Moli Moussa. Une autre personne voit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais il m'a dit Noli. Mais lui-même répond. Na continuité écriture. Il n'y a pas d'autre rocher. Ezali na libanga mosusu te. Je n'en connais point. Na yebi libanga mosusu te. De la bouche de l'Éternel sort que la vérité. Na monoko nzambe kaka bosolo de Dieu. Alors bien yebi rocher mosusu ta pari. Il dit ne connaît point un autre rocher à part lui. Mais la grâce aux hommes à qui frère Paul. Mais la grâce que le Seigneur avait faite au frère Paul. Azo Komela ma Corinthien. Il l'a écrit au frère des Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 10. Dans 1 Corinthiens 10. À partir du verset premier. À partir du verset premier. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. La ligne amie n'a lié été que Bosa ma Koeba été. Ma tata n'a pas été sous la salipata. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Avonio Sobaleka qui katikata maya monena. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Et de Bamonio Sobazo qui l'y baptisikati na Mose. Dans la nuée et dans la mer. Katia lipata pena kata maya monena. Qu'ils ont tous mangé les mêmes breuvage spirituel. Et bamonyo so balia ki bilei o ya molimo. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et bamela ki na maya molimo. Bamela ki maya molimo po. Bamela ki ako na libanga monena molimo sa ki. Et ce rocher était Christ. Et libanga wana monena sa la ki Christo. Moto tei li kamboy. C'est lui qui a prêché ceci. Ayena Galate 1. Il est venu dans Galate 1. Alors dit même si un ange a écouté l'homme Moussou. Il a dit même si un ange viendrait prêcher quelque chose contraire à contraire à celui que je vous ai enseigné. Qu'il soit là. Yé à la que la maman bé en genoux. Ensuite, vous voyez. À quel émeliango? Si quelqu'un vient et s'oppose à l'enseignement de Dieu. Parce que le vrai rocher. Oui, t'es libanga solo. L'ancienne alliance na boyokani akala c'est l'Éternel ezalaki Yahweh yé l'Éternel wana et lui c'est l'Éternel. Alors bien pas Esaïe boy. Il a dit dans la bouche du prophète Esaïe 43. Dans Esaïe 43. Alors bien pas Esaïe. Il dit par la bouche du prophète Esaïe. Non Dieu merveilleux. Zambia Esaïe qui toque. Nasu même Esaïe 45 verset 23. Je prends même Esaïe 45 le verset 23. Blanda au malin. C'est l'Éternel qui parle. Esaïe Yahweh de Koloba. Amunoko Esaïe. Dans la bouche d'Esaïe. 45 verset 23. Esaïe 45 le verset 23. Je le jure par moi-même. Na lapindai na kombo na ngai moko Yahweh. Donc pour la côté c'est que mon côté Esaïe Kolona est. Pour montrer que personne n'est au-dessus de lui. Yahweh Père Jésus-Christ a Koloba toujours. En vérité, je vous l'ai dit. C'est pourquoi Jésus disait na bosolo ngai nde. Donc yenda zabotida. Par prophète. Donc c'est lui qui envoyait les prophètes dans l'ancienne alliance. Et comme par prophète, parce qu'il est différent de l'Éternel. Et comme les prophètes étaient différents de l'Éternel. Et c'est qu'il dit, ainsi parle l'Éternel. Et c'est qu'il a dit, il va poyer et le dit Yahweh. Mais Jésus, il n'avait pas utilisé cette formule. Parce que c'était lui-même l'Éternel Dieu manifesté. En vérité. Nabosolo. En vérité. Nabosolo. Il a dit deux fois. Et Joseph a aidé Bissot. Et Joseph nous. Sans moment, la chose s'est répétée. C'est que c'est la vérité. La chose, c'est que cela doit arriver. Je pensais que c'est la vérité. Et Dieu a arrêté ainsi.
par moi-même. Na lapindai na kombo na ngai. Na verset 23e. La vérité sort de ma bouche. O solo ebimaka na monoko na ngai Yahweh. O ma bengi vérité. Siko na pena vérité. Ebimaka na monoko éternel. Elle ne sort que de la bouche de l'Éternel. En dehors de l'Éternel, vérité zate. Libanda Yahweh o solo ezate. Nous les hommes, nous sommes tous des menteurs. Seul Dieu est juste et véridique. Alors la vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Bâtir des points. Maintenant, on veut expliquer la parole de Dieu ou de l'Éternel qui ne sera jamais révoquée. La parole qui ne sera jamais révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Un jour, j'étais allé visiter certains serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs-là prêchaient la Trinité. Alors na yé na réunion na bango. Alors je suis allé dans la réunion à Kinshasa. Na formoli na Isaïe 45 verset 23. J'ai ouvert ma Bible dans Isaïe 45 le verset 23. La Bible a une parole que le Seigneur va dire que ça va révoquer. J'ai dit qu'il y a une parole que l'Éternel avait dit lui-même qu'elle ne sera pas révoquée. Parole à mes amis. Et c'est quoi cette parole? Tout genou fléchira devant l'Éternel. Ma bonne opinion, c'est que fou comme un calibre. La tuni bango. Je leur ai posé la question. Yo fou comme un calibre. Toi, tu fléchis devant l'Éternel. Fou comme un calibre. Fou comme un calibre. Il y a Jésus. Au nom de Jésus. Alors c'est que. C'est-à-dire. Alors, levez la main et commencez à confesser, à vous repentir, parce qu'on avait dit qu'on va se prosterner que devant l'Éternel. Parce que ah ouais, vous allez révoquer. Ici, cette parole ne sera jamais révoquée. Tu ne te prosterneras que devant l'Éternel. Quand vous tous là, vous fléchissez le nom au nom de Jésus. Ce que vous avez attesté où c'est Jésus-Christ. Bon, il est moins vous allez révoquer. Parce que cette parole ne sera point révoquée. Tout ça, il est tiré dans mon verso. On avait fait seulement la lecture de ces versets. Parce que ma homme a sa mouzon et ma camboisa, mais n'est ma camboisa. Parce qu'il prenait les choses de Dieu comme des choses charnelles. Parce que ma homme a dit qu'il va mettre partout les moyens, parce qu'il n'y a pas de démonstration. Et leur pasteur avait dit qu'on avait fait des démonstrations partout le monde. Il est pour expliquer la divinité de Jésus. C'était venu m'expliquer la divinité de Jésus. Mais pas qu'on raté. Mais il ne parvenait pas. Moi je leur ai dit que je viendrai le jour où Dieu le voudra. Moi je ne sais rien. Et le Seigneur m'aide. Mais c'est le Seigneur qui s'est dit. Ici tu ne parviendras pas parce que beaucoup sont passés par ici. Ce jour-là, lorsque je suis arrivé, à sentir que c'est le jour. Ah, ils avaient senti que c'était le jour. J'ai pris seulement ces versets. J'en ai fait la lecture. Après la bien, est-ce que vous avez marqué la noire? Est-ce que j'ai dit que vous avez des marqueurs de couleur? Pour moi, je considère cette église. Parce que moi, je considère cette église. Bon, là, ma Bible. Il fallait l'effacer dans votre Bible, cette écriture. Bon, là, vous foutez de la Jésus. Parce que quand vous fléchissez devant Jésus, c'est que Dieu a révoqué parole. Ça veut dire que Dieu a révoqué cette parole. Trop fou comme un monsieur, trop sombre là. Alors, bon, sombre là. Fléchissons et prions. Bon, là, bah, que le Seigneur, ça n'a qu'à rien. Bon, là, il est le bon, qu'on l'a en mais tous ont senti que l'ombolien au péché au moins. Et disons que le Seigneur, tu as commis une erreur. Nous, tu avais dit que tu ne vas pas révoquer cette parole, mais tu l'as révoquée en la donnant à ton fils. Pasteur, maman, bien. Le pasteur a dit. Jésus est dit. Dieu soit attrapé. Pour ça, la débat, tu es là, il n'y a pas de débat. Na bouche na ye, et sa vérité. L'Éternel dit la parole qui sort de sa bouche est la vérité. Bako fukamela tandeye. Tout genou fléchira devant lui, l'Éternel. Et si on regarde Philippiens 2, et en lisant Philippiens 2, ma bolomonion se sont fukamela Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Na siècle. Que ce soit dans ce siècle. Na siècle à venir. Ou dans les siècles à venir. Et ça la licolo. Que ce soit dans le ciel. Et ça la
place, que ce soit sur la terre. Ma bolongo ni sous genou. Pour dire que c'est lui qui est l'éternel Dieu véritable. Que Dieu te bénisse. Si on te dit que Jésus est fils de Dieu, crois cela parce que c'est une écriture de la Bible. Donc ne refuse pas non plus qu'il est le Dieu véritable. Parce que tant on va annoncer qui croyait, parce que tant on avait annoncé sa venue, dans Ésaïe 9, verset 5. Dans Ésaïe 9, le verset 5. Koyanae, sa venue. Ah, bah, facilité na bande konabiso ba telemelaka, bon zambe ya Jésus-Christ. Ici, on a même facilité à nos frères qui sont dans la vérité de Jésus en disant ceci. Car un enfant nous est né. Oui, témoin na moko a bote la mibiso. Un fils nous est donné. Mais moi, n'avons pas mon bal, il a baissé la mibiso. Le don, c'est le fils. Et la domination reposera sur son épaule. Mais mon côté, quand ça la confonde, n'a pas pécanaï. On l'appellera. Moi, n'a pas n'a pas comme n'a caillé. Balobio, t'es en formulé de mon côté. On n'a pas dit que tu peux formuler la manière de la plaie. Assis ma émission d'engue au commando benga. On t'a déjà montré comment tu dois commencer à appeler ce petit enfant-là. On t'a déjà facilité. Voici comment on l'appellera. Mais les gens sont en train de s'y opposer. On l'appellera. Vous allez voir quelqu'un. Il refuse. Tala. Donc s'opposer. Nous allons prier à celui qui suppose que Dieu puisse l'aider à connaître les choses. Parce que tu peux t'opposer à la parole aujourd'hui, mais tu crois après deux. Mais la parole est changée. Mais la parole est changée. C'est toi qui dois rejoindre la position de la parole. On l'appellera. Conseiller. Admirable. Ah, il y a qui toque. Conseiller, mon petit Toli, Dieu puissant, Nzambanguya, on l'appellera, Bakobenga Kaye, parce que ma vision n'engue, Seigneur Abenga. On t'a déjà dit comment est-ce que cet enfant doit être appelé. Ah, nous avons ma démonstration de l'été. Ici, nous n'avons pas beaucoup de démonstrations à faire. Dans un élobéleur, Paul a l'obat du roi Agrippa. Crois-tu au prophète? Mon côté a crié pas, on dit mais la kama komi à ma sakoli. Donc quand il dit crois-tu au prophète? Quand il dit on dit mais la kama sakoli. Est-ce que tu crois aux écrits de prophète? Avant l'oba. Donc avant qu'il ne faut croire aux écrits. Tu dois d'abord croire aux écrits de prophète. C'est ça, croire en Dieu. Il y a moins de qu'on dit mais la nzambe. Et croire en Jésus. Mais qu'on dit mais la Jésus Christ. Croire en Dieu, c'est croire aux écrits de prophète. Qu'on dit mais la nzambe, mais qu'on dit mais la ma komi à ma sakoli. Ça, c'est l'une des écritures de prophètes. Donc, comment tu dois appeler ça? Donc, le Dieu puissant. C'est pourquoi, lorsque les disciples étaient sur le chemin de Maïs, ils provenaient de Jérusalem après la mort de Jésus. Ils ont senti comme si cette affaire a pris fin à notre territoire. Et retournons dans notre territoire. Et sur le chemin, voilà déjà si pas qui ils avaient déjà reçu la nouvelle que certaines femmes s'étaient rendues à la tombe, qui est assez. Et Jésus était ressuscité. Bango baso tambo là. Jésus a dit et ils étaient en train de marcher. Jésus leur est allé. De quoi entretenez-vous? Tala. Si le Seigneur veut que tu puisses le connaître, tu le connaîtras. Mais ceux qui mais s'ils les refusent, la théologie. Même si tu fais les études théologiques, tu ne sauras que. Qu'est-ce que je dirais? Tu feras des études selon tes compréhensions. Les pierres, ils étaient des gens du peuple sans instruction. C'est comme ça que la Bible les appelle. J'ai
Je ne refuse pas les études. Mais n'étudie pas Dieu dans les études théologiques. Étudie ce Dieu. Mais n'étudie pas Dieu dans les universités théologiques. Là-bas, l'héritage que tu recevras. Ça s'appelle. Non, moi, un chef retournant de Jésus. Donc, tiens, mon continent, mon personne qui s'habille sur les hôpitaux. Dans l'incrédulité. L'intelligence des hommes. Dieu se révèle. Dieu. Il vient prendre ma ville. Ma tombe liée. Mais il élève. Avant son moteur, va se il peut prendre ce. Mais ce collier a bon ici. Mais il est là, il est fait un homme important. Avant malobané, pas un moteur, il est madame. Il peut mettre ses paroles dans la bouche de quelqu'un que tu n'as même pas idée. Mais pour annoncer. Mais pour annoncer la parole. C'est Dieu. Et ça, jamais. Pour reprendre Balaam. Pour qu'il puisse reprendre Balaam sur le chemin. Il a donné la parole, la voix d'homme à un animal. Pour reprendre rien. Pour la consommer, il s'en pousse à poulet à l'occultan. N'y a pas vraiment boyé. Un animal. Alobi. Mais il a dit Boni Balaam. Qu'est-ce qu'il y a à toi, Balaam? N'a tout ça. J'étais toujours obéi. Si tu vois que je suis en train de faire. Vous savez qu'il y a un danger. Il a fait entendre la voix d'homme, l'animal. Le Seigneur a utilisé une ânesse. Dieu a une possibilité illimitée. Zambé a sali na balolé qui a posé la voie. Tout cas. Tu ne peux pas mettre des bornes. Comme à l'hôpital. Tu peux. Déjà matrice. On t'a déjà ôté la matrice. Les hommes ont passé un message au combo. Mais le Seigneur t'a donné le message que tu auras un enfant. Demande un message. Il faut croire au message de Dieu. On a dit matrice et tu ne diras pas qu'il n'y a pas de matrice. Il n'y a pas non plus de trompe. Mais dis-moi que Zamba le Dieu combota. Mais crois seulement, tu as dit que tu auras des enfants. Logo la Marie. Comme Marie. A si ange. Elle a dit à l'ange. Ngana yebi mobali. Je ne connais point d'homme. Et tu dis Zamba le Dieu. Le Seigneur dit une chose. Dis-moi que toi crois seulement de ton koya. Et cela arrivera. Lélo lélo. Aujourd'hui même. Le problème que tu as, n'aie pas peur. Et personne ne pourra qu'à Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. Il est là pour résoudre le Seigneur lui qui pourra résoudre ce que tu as besoin. C'est lui qui a la capacité de suivre. C'est lui qui a la capacité de changer l'histoire. C'est Jésus-Christ. Kaka Jésus-Christ. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Même s'il est mauvais. Il ne rejette pas. Alors il est le Dieu prêt à pardonner. Azali Zatona le mangue à Bolibi Samasu Bato. Donc lui, il écoute la prière des fils des hommes. Et tous les hommes bakoye pana. Même Bato, Tobako, n'est pas inaïe. Dieu est amour. Il nous a aimé tel que nous étions pécheurs. Là, il faut oser la main à ta tenaille. Là, il faut que tu l'aies en toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ici, bien aimé. Lorsqu'il leur est apparu, Jésus a posé question. Jésus leur a posé la question. Dans Luc 24, verset 19. Dans Luc 24, le verset 19. Quoi leur dit-il? Nimi a Yébisibango. Il lui répond. Étalié sous à Nazareth. Maintenant, il va expliquer Jésus, Jésus. Maintenant, il voulait expliquer Jésus. Qui était Jésus? Donc, en quelques mots. En quelques mots. Pour Jésus. Parce que Jésus ne comprenait pas selon les comment
comme elle, qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Mais là, il n'a pas tous les moyens Jésus à comprendre Jésus. Mais là, il voulait par tous les moyens que Jésus puisse comprendre Jésus. Qui était un prophète puissant. Oh, ya salaka, musakoli moko ya nguya. En œuvre. Namisala. Et en parole. Pe na maloba. Devant Dieu. Liboso nzambe. Et devant tous les. Pe liboso ya libota mobimba. Babenga est prophète puissant. On l'a appelé un prophète puissant. Et Dieu bénisse. Amen. Yemokoana. Lui-même là. Les dieux puissants. Zabé Anguya. Yemokoana. Lui-même. Conseiller admirable. Oazali a kitoko pe mope sitoli. Père éternel. Tata ya sekonde mwana wana. On l'appellera. Bakobenga kae. Père éternel. C'est pourquoi lorsqu'il avait rencontré les disciples qui pêchaient sans rien avoir, il leur a posé la question. Enfin, Pana, avez-vous trouvé quelque chose? Osui et loco moko. Tata, le père, c'était lui, Jésus-Christ. Si tu ne les pratiques pas, tu as péché. Et pas y a pardon. Donc la difficulté. Et Satan ouille sa soloba. Le père est plus grand que moi. C'est lorsque Jésus dit le père est plus grand que moi. Mais la baptise est liée au verset 25 qui est machin 16. Mais je te rajoute encore le verset 25. Habitant dans sa soloba père. Donc lorsqu'il parlait de père. Et Zala qui lissait. Donc c'était en Paul qui le faisait. Mais pour qu'il vienne comme fils. Il a accepté l'humiliation. Il a une position. Il a dit cette position qu'il avait auparavant. Et plus grand. Et ça, mon aîné, à moi qui tata. Position. Et cette position-là. Il a le nez comme éternel. Comme il est éternel, Yahweh. Et plus grand. Nez à mon aîné. Mais le bon aïe, n'a pas moins. Donc, comme il est venu comme fils dans la chair, aïe pour un conquista. Mokano ya botata. Il est venu accomplir la volonté du Père. Yamoto talisaki boye. C'est pourquoi on avait montré ceci. Nzambe asambelaka Nzambe. Dieu ou l'Éternel ne prie que l'Éternel est Dieu. Exode 34. Dans Exode 34. Aebisaki Moïse. Il avait dit à Moïse. Salawana. Sois là. Gamoko. Moi-même. Na proclamer mon. Je vais proclamer le nom de Moïse. Nzambe. Moïse avait vu Dieu. Asosambela Nzambe. En train de prier Dieu. Zamba ebisiye ke. Dieu lui a dit. Na kotia na katia kreya roche. Na kotia na litusu ya na kotia loboko na ngana sipio. Et je te couvrirai de ma main. Et tant mon akoleka. Et lorsque je passerai. Okomona mokongo na ngana. Tu ne verras que mon dos. Makambo wana tokolobango de nanda. Toutes ces choses là nous les dirons à la maison. Mais tozala ka kozwa ba makomani. Mais nous prenons seulement les écritures. Oye zo tato la. Qui témoigne. Nzambe azo sambela. Que Dieu est en train de prier Dieu. L'éternel, l'éternel, riche en bonté. Yahweh, Yahweh, mon Dieu. Mais la bienveillance. Salim Alam Koleka. Nathan Yamana. Et je lis d'abord cette écriture. Zamba za tellement mon aide. Le Seigneur est tellement grand. Et ce qui Zamba se solicite, Makambo. Et si le Seigneur te fait comprendre ces choses, pour Misaï, il faut le glorifier. Pour. Parce que lorsque nous étions dans l'ignorance, c'était tu pries que je prie au nom du Père ou du Fils. Que je prie le Saint-Esprit. Papa pour sentir qu'il a ça dérangé. Et les papas se sont abandonnés que je rentre dans l'ignorance. Ils sont trois dans ton ignorance. Qui est-ce que je vais prier maintenant là? Mais. Mais tout ce que nous ferons en parole et en acte, les écritures le livre de Rosal au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les écritures disent que nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Bah oyo yo, basali kokeseni sakeye so Christ oza tatate. Ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas le Père. Nan basu bolim bisya masumu na bangote. Ils n'ont pas encore reçu non plus le pardon de leurs péchés. Abouvi le lengewana. S'ils meurent dans cette confession. Akeina mi tungisi. Se rend dans le tourment. En attendant le jugement dernier.
Le Seigneur n'a pas la force du nombre de gens. Du temps de Noé, il avait tué le monde. Seules 8 personnes furent sauvées à travers l'arche. Du temps de Lot, a détruit Sodome, a détruit notre ville, Ozaki, aux environs. Il a détruit Sodome et Gomorre et les villes voisines. Et ils ne sont sortis qu'au nombre de 3. Si quoi, de même aujourd'hui, il ne sauvera qu'une seule personne. L'église du Seigneur. Les alliés ecclésiens à Colo Jésus. Il faut que tu sois dans cette église. Parce que le pays nous entrera sa personne. Notre ville, nous. Jérusalem, Galates appelle Sarah Jérusalem. Tu adhères dans une doctrine, le chef de la religion rejette Jésus-Christ. Sache qu'il a aussi repoussé ou rejeté l'enlèvement. C'est pourquoi nous disons ceci. Toi, tu es devenu Dieu. Tu es notre Dieu. Locataire. Tu es locataire dans la terre de notre Dieu. Les gens qui t'adorent. Tu ne les as pas créés. C'est notre Dieu qui les a créés. Toi, tu as posé. Mais 4 femmes. Mais tu as 4 femmes. On fait là quelque part. On met un peu malade. Va continuer à l'hôpital. Et si demain, quelque part, tu souffres, c'est plus tu as. Ceux qui sont aveugles, ce sont ceux qui te suivront dans ta fausse confession. On s'est dit à ta casse. Tu veux m'aimer. Salam à Béli, mais crie même ta propre paix, bien-aimé. Salam à Béli, ton aïe à Béli. Crie aussi tes hommes avec propre corps. Qui puisse nous faire locataire dans ma belle Azabé. Mais un locataire sur la terre de notre Dieu. Son idée. Et tu n'as même pas honte. Tu es locataire. Ma belle est à Dieu éternel. Cette terre appartient à l'éternel Dieu. Tous ceux qui ont apparu comme des dieux, ils ne sont pas des dieux en réalité. Nous ne connaissons qu'un seul Dieu qui est Jésus-Christ. C'est devant lui que tout genou fléchit. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. C'est lui que nous devons craindre, que nous devons redouter. Aujourd'hui, l'Écriture, quand Azo célèbre, lorsqu'il célèbre, Azo l'oba, il dit, dans Exode, Tobani, verset 18e, il y a Exode 33. Verset 18, Exode 33. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Moïse dit, Exode 33, à partir verset 18. Fais-moi voir ta gloire. Écoute maintenant comment le Seigneur explique ça. L'Éternel répondit, Yahweh Ayanoli, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Ça c'est la vérité. Et miséricorde à qui je fais miséricorde.
L'Éternel dit, Yahweh a dit, qui ne pourra pas voir ma face. Vous voyez la gloire qui est au verset 18. Le Seigneur a bien mot face. Le Seigneur l'a appelé sa face. Amen. C'est pourquoi dans Esaïe 40, on a dit qu'il y a une voix qui criera dans le désert. Oye koya ko planir le chemin de l'Éternel. Oye koya ko bongisa nzela ya Yahweh moko. Et après tout, il verra la gloire de l'Éternel. Si maliso nyonso komona nkembo na ya. Gloire wana Esaïe 40 solo. La gloire dont nous parle Esaïe 40. Esaïe 40 a ben yango consolateur. Esaïe 40 l'a appelé mobondisi. Yango Jésus-Christ avant son départ à l'Obaki. Je vous enverrai un autre consolateur. C'est pourquoi Jésus avant son départ avait une apôtre de la Bible. Contredire Esaïe 40. Il ne pouvait pas contredire Esaïe 40. Parce qu'après la voix, il y a. Ils ont crié dans le désert. Parce qu'après les cris de la voix dans le désert. Qui est Jean-Baptiste. Il faut la consolation. Il faut que la consolation vienne. Appelez-moi gloire. Il a appelé la gloire. Et Dieu a défini la gloire. Et Dieu a défini cette gloire. Face. Et l'onguio yaye. Tu ne pourras voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Yahweh a le dit, qui te tiendra sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, qui me verra par le derrière? Mais ma face ne pourra pas être vue. Là où Moïse, ici Moïse, si nous entrons dans la profondeur des choses, Moïse a signé à peuple d'Israël. Moïse était le signe de tout le peuple d'Israël. Et soit qui grâce, vous avez reçu la grâce, Zamba protégé comme Dama peuple sa force. Le Seigneur l'a protégé comme l'animal qu'on appelle Dama. Ils ont trouvé refuge dans les rochers. Ils trouvent refuge dans les rochers. Et c'était un temps parce que on en face derrière. Et ça là qui tambo parce que comme on a mon Congo. Amen. Vous suivez attentivement. Parce que Moïse. Parce que Moïse. Nombre 12 et lobby. Nombre 12. Quand nous avons son nom à Myriam. Lorsque Dieu parle à Myriam. Myriam. Na. Et son frère Aaron. Aaron. Uh-huh. À lobby. Il dit. Bonne Moïse. Pour Moïse. Hier. Tout son nom à face à face. Je parle avec le lingue. Face à face comme quelqu'un parle avec son ami. L'écriture, il faut qu'il parle en ma case. Je fais très attention avec l'écriture. Parce que mon sacoli, parce qu'un prophète, Atali Sakapé, bon moyen, représente aussi toute la vie du peuple. Atali Sakapé, il représente aussi lui-même, prophète dans l'œuvre. Il est aussi le signe de Dieu éternel. Et Dieu bénisse. Zambia Pambo la Bino. Donc c'est que la Katia, c'est-à-dire ici, Koyeba Kenzamba Zabina besoin a proclamé sa bonté. Et Dieu avait besoin de proclamer sa bonté. Et dans Wayena Exode 34 maintenant. Quand il est venu dans Exode 34. Verset 6. Le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui. Paix Yahweh à l'état qui bosse. Et s'écria, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux. Yahweh, Yahweh, Nzambe na mawa. Voilà l'Exode 34. Et compatissant. Yahweh na mawa makasi. Là la colère. Oya zali lo mawa. Riche en bonté. Be mosuna. Et en fidélité. Be na bosembo. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité. La rébellion. Et le péché. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants.
Aujourd'hui en toi, lorsque tu crois en Christ, aucune condamnation est sur les colonnes. Toutes les paroles et malédictions qu'on avait dites, les imprécations, les colonnes, Jésus-Christ les avait vaincus à la croix. Que personne ne te fasse tromper. Achète une pièce. Que ne pèse non quoi dans la canne magas. Et va donner à ce temple là qui est très en colère. Yenda kangela kombota. Et celui qui a fermé. Sobo pèse une pièce là bas. Et si tu lui donnes cette pièce. Avoir quel lieu soi. Après son bim va s'en avancer. Et puis il fait des libations. Et puis je me rends à dire maintenant ma colère a pris fin. On a vraiment aventuré. On a perdu mon Thomas. Jacob avait dit ça qui Rachel. Jacob avait dit à Rachel. T'as mon Rachel, Azo, Azo, dit ça. Jacob, donne-moi la force. Lorsque Rachel lui réclamait le fils. Jacob a le fils qui est en train de pouvoir le remettre à moi. Est-ce que ai-je le pouvoir de donner l'enfant? C'est Dieu. Suis-je à la place de Dieu? Mais ne sont pas privés. Si lui te prive l'enfant. Sont pas privés, privés, libérés. Si il te prive, il ne te privera pas. Azana Moussala la Katina. Il a une autre affaire dans ta vie. Il va l'accomplir à son propre temps. Les mêmes tirs à sa lélo. Sambé on a moko à sa pélélo. Yéwe a privé ma lélo. Lui qui m'a privé aujourd'hui. A copé sa capi. Il va te donner. A Sarah la Sarah. Il avait opéré avec Sarah. A Sarah la maman Samuel. Il avait agi avec Anne, la mère de Samuel. A Sarah la ébélé la carte d'écriture, non, ma Rachel. Il a agi avec plusieurs dans les écrits. Ma camoua Bible, ça histoire. Les choses de la Bible ne sont pas des histoires. Histoire, les gens, les titres du passé. Ah, oh yo, c'est Dieu éternel, comme un camoué, les gars. Quand ma Bible est un mot tangiam. Lorsque tu lis une chose de la Bible, on dit ni. Et que tu le crois, on dit qu'il y a volé. Et que tu vas aussi le vivre aujourd'hui par la foi. Quand il y a ça, tant que ça y est, on dit qu'il y a volé. Tu vas le vivre aussi aujourd'hui par la foi. Parce que dans les mêmes hier, aujourd'hui et éternel. Oui, t'as sali le nez qui va parler de Dieu, les gars, les lopés. Comment la bisoua sa monnaie les mines. Notre Seigneur est tellement grand. Et à mon monito célébra Kayet. C'est pourquoi nous les célébrons. Tota pour la camonne et la haine. Nous confessons sa grandeur. Nous glorifions le Dieu seul Jésus-Christ. Tamo tota isakayenda sa tata. Lorsque nous montrons que c'est lui qui est le Père, c'est le Père qui prépare l'héritage à léguer à ses fils. Mais pour entrer en possession de l'héritage du Père, il faut que le Père meure. Testament et kota kafike. Mokanda ya libula et tiens. Testament kufite. Togo soit héritage. Lorsqu'il est vivant, alors il n'a pas sur le pain, moi et au Sahara. Qu'il y passe sur sa bouffe. S'il meurt, maintenant on commet le pain, moi et en bas. Maintenant tu commences à marcher, c'est pas. On va le mettre à la brique. Maintenant tu commences à faire même des briques de sang. Sans permission, là, sans sa permission. C'est là le testataire. Attends la mort du testataire. Bisous, moi et monsieur, comme ça, mon ami, vous la vie éternelle, les araquitaires. Il n'y avait pas pour nous d'hériter. L'héritage de la vie. Il faut olio à la caca. Il fallait que celui qui avait promis aïe à Koufa qu'il vienne mourir. C'est ça sa mort. Il y a un de l'Iwana et les Koulousou. Et pas tu es belé parce que cela va te pour l'œuvre de la croix est sa folie. Et beaucoup de gens ne les comprennent pas parce que l'œuvre de la croix. Mon sale Koulousou c'est ça qui l'Iboma Bolema. La folie. La Bolema. Dans la carte, il la folie.
Mais toi, tu l'as comprise par la grâce de Dieu. L'œuvre de la croix, aujourd'hui, l'œuvre de la croix, c'est l'enseignement véritable. C'est l'enseignement véritable que nous prêchons. Et ça, tu ta transport. C'est le, et tu payes les transports. Ok, Israël. Et tu te rends à Jérusalem. Et quand tu te rends à Mungwere. C'est là le semblable que quand tu te rends à Mungwere. Ok, Israël. Toi, tu te rends à Israël. Pourquoi? Le Saint-Esprit déjà. Et si il peut s'amener là-bas au bandit. L'Esprit a été déjà donné à ceux qui ont cru. Si tu vois un serviteur de Dieu, accueillir Jérusalem. Qui sera Jérusalem? À Gotoka Babidon à main dans le fleuve Jourdain. Pour aller puiser des bidons d'eau de ce moment. Pour venir te les vendre. Aza Pridon. Azali Motua Mabe Motomoki. Azuma Mafuta. Il prend la bise puissance il dit que c'est la puissance qui a acheté à $10 seulement. Et ben gaza pika il dit que gaza moïbi moto mabe commerçant donc même Jésus a venga à nous la parole de ça il nous soit béni par votre tombeau blanche la vie notre serviteur l'a appelé kundabo yo batia boka kala ya pembe alors dit donc on voit le compte dans notre compte ça vous refusez d'entrer dans le royaume bon circuler vous parcourez la terre et la mer pour faire des prosélytes. Bon, la lola. Et vous leur fermez la porte du royaume. Bon, deux fois. Et enfin, je plus deux fois. Malami balé banayali felo ya moto à seko. Il existe de tels serviteurs sur la terre. Mais faut dénoncer le condo ces amabés. Mais nous devons dénoncer toute chose qui est mauvaise. Osamwanaza. Tu es l'enfant de Dieu. Le pico est allé dans Golou. Le salut, c'est par la grâce. C'est là dans moi, c'est un condiment. Et sa voix, c'est la foi. Dans mon dimi. Lorsque tu crois, Zambazo sale. Le Seigneur opère, il agit. L'homme, il est là dans ma fouta. Donc, hier, ce qui était l'huile. Le lo est comme il y a mon limo. Aujourd'hui, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit. Les amos limo santi. C'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Que le Seigneur te garde jalousement. Et à rassurer vraiment. Qu'il puisse te rassurer dans ces choses. Que tu es sur le vrai chemin de la parole de Dieu. Et que le Seigneur a pambola yomingi. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous voulons prier en ce moment. Nous croyons que Zambé a béni le bisoming dans 4 jours. Nous croyons que le Seigneur nous a bénis dans tout, pendant tous ces 4 jours. Zambé a salé le bisobola monae. Le Seigneur nous a manifesté sa bonté. A fomole le bisobanzela. Le Seigneur nous a ouvert des bons chemins. Il faut toujours qu'on croit. Il faut toujours le croire, bien-aimé. On dit misamake. Il faut toujours être convaincu. C'est que j'étais venu avoir le Seigneur me l'a donné. Et tu le verras s'accomplir. Toi qui es venu par invitation. Il faut savoir que le Seigneur savait que tu viendras. Il ne faut pas te considérer comme un visiteur. Le salut n'est pas dans une église quelconque. Et le salut c'est en Jésus-Christ. Jésus. On prêche Jésus-Christ. Avec respect, on le prêche avec respect de cette église. C'est là que toi t'es retrouvé. Maintenant, je témoigne. Comme le fils de la femme vertueuse l'avait aussi dit. Alors, il y a beaucoup de femmes. Mais toi, notre mère, tu es plus que toutes ces femmes-là. Témoigner ton église, où est la vraie parole, ce n'est pas mauvais. Mais témoigner ton église, la parole n'est pas mauvaise. Et ça, on n'avait pas témoigné de la femme vertueuse. C'est comme on avait témoigné, moi, si Misala malade. Et c'est pourquoi, Nagotato, là. C'est pourquoi j'ai témoigné. Panabiso. Si tu t'approches de nous, bon, Moïse. Vraiment. Éternel, délivrance c'est ça. Il y a vraiment la délivrance. Awa ou abaser ba ebe sika na bango. Ici les sœurs savent vraiment leur place.
Elles sont nos bien-aimées. Ah, toutes les femmes qui étaient dans la Bible et qui étaient servantes de Dieu. Ma Marthe, ma Marie. Les sœurs Marthe, Marie. Ah, ouais, la comme il ne s'était pas précipité à devenir serviteur comme des pierres. Non. Vous n'allez pas voir Marie dire aux apôtres. Cette œuvre appartient à mon fils qui est là-bas. Ok, bah, là, mon monde, faut faites très attention, moi-même je dois être conductrice de cette église. Marie n'a jamais dit. Marie a tout ça papier. Marie avait obéi aux apôtres. Elle savait que je suis aussi fidèle dans cette église. C'est ce que nous enseignons dans la parole. Mon monde est toujours bien à l'Iloba. Que Jésus après ça peut définition à vrai mari. Que Jésus-Christ avait aussi donné la définition de vrai mari. Lorsque sa mère venait le chercher, avec ses frères, dans Matthieu 12. Maintenant Jésus au hasard à l'équipe du dictionnaire. Maintenant Jésus plus que tous les dictionnaires français. Qui est ma mère? Maman Jésus nous met cette définition. Là Jésus veut nous donner la définition de qui. En tout cas il faut te respecter. En tout cas nous devons respecter cette définition. Qui est ma mère? Nanine maman Nangai. Et qui sont mes frères? Nanine Bandekonanga mi pas l'ipé. Il y a la définition. Maintenant écoute la définition de ma mère. Ce sont ceux qui écoutent ma parole. Et salim baye oyo baso yo kali lo bananga. Et les mettre en. Mais baso tia malo bananga wana na misa. Sont ma mère. Mo wana de nyo son maman nanga. On a déjà définition à Jésus. Là c'est déjà la définition de Jésus-Christ. Saint-Esprit, même à mitez à la licolo et en tété. Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas appelé à être sûr. Ou bien ça les forme qui comment vous. Ou bien tu fais une idole, une statue. Vous croyez que Zamba Zawa. Et tu crois que Dieu est cette statue, non? L'écriture est la vie. L'icône est la licolo. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voyez, mitez. Non, il n'habite pas dans une statue pour que toi tu puisses l'adorer. Non. Azofan, il habite dans celui qui a cru à la parole. Que Dieu te bénisse. Donc, en ce temps, nous voulons prier. La chose que tu as en toi, bien-aimé, c'est le Seigneur qui la voit. Tu connais bien ton problème. Et bien que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Et tu connais bien que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Et il n'y a rien qui soit plus fort devant Dieu. Dieu a été capable. Zambé a sali na makoki. Le colon qui parole. Donc tu as écouté la parole. Basali na Zambé ba ko accomplir kaka l'acte ya ko tia no poko ni colonna. Les serviteurs de Dieu ne vont accomplir que l'acte de poser le main. Il faut croire na ya. Et Seigneur lui dit mais là. On croit que le Seigneur a tellement grand. Et tu crois que le Seigneur est tellement grand. Zambé a za o za Zambé a solution. Et Dieu est le Dieu de solution ya biano. Il enlève les maladies de toutes formes. Il enlève le blocage. Il agit en sorte que la gloire lui revienne. Que Dieu te bénisse. Tu vas t'élever. Pour que nous puissions prier en ta faveur. Et reste là jusqu'à ce que nous allons finir tous les services. Tu es convaincu, tu t'approches. La manière dont les serviteurs de Dieu viendront prier en ta faveur. Recommander ta vie. Dans le problème que tu as. Un mot seulement suffit. Les serviteurs de Dieu ne diront qu'un mot et c'est la suite. Le Seigneur a coopéré. Parce qu'il est tellement grand. On nous conduit dans un cantique.
Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, l'olégué dans les hommes de Dieu vont s'approcher. Yahweh, Yahweh Salah, Salah, Bikamon, Yahweh Salah, l'olégué dans Yahweh Salah. Na belle yo, Sabé mon aîné qui t'a yo Salah, Yahweh Salah, l'olégué dans Yahweh. Na pourquoi les hommes, Babeli, Babikamon, Satralo.
Yahweh, Yahweh, Salah, 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 Y
Vous avez envoyé des messages que nous puissions prier en votre faveur. Notre Dieu, Azali, Dieu de près, Dieu de loin. Zambé Nabiso Azali, Zambé Apene, Père Moussika. Et Sika Ozali. Là où tu te retrouves. Azali Kolandanga en ligne, Azali Kote. Et elle me suivait en ligne en train d'enseigner. Alors qu'il faut croire que Dieu est capable, il y a Colombola. Qu'est-ce que vous avez besoin, moi? Et j'avais dit que tu devras avoir la foi que Dieu peut enlever le kyste pour te donner l'enfant. J'ai parlé dans l'assemblée, mais qui chasse ça? Mais ça qui en ligne. On va croire au nom de Jésus-Christ. Et elle a cru au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a fait les miracles. Et le Seigneur a opéré un miracle. Kiste, dis-moi, et le kyste avait disparu. Et que c'est que si pas à moi. Et avait laissé la place à l'enfant. Donc, frère, ma soeur, ma benga qui batatola qui zambé. Et le frère et la soeur m'avaient appelé pour témoigner la gloire du Seigneur. Oh, bazana, moi, na, na, ma, et maintenant là, ils ont cet enfant là en main.
Tu peux être loin en ligne. Mais Dieu là. Lorsque tu ne doutes pas, Dieu est capable de faire. Ma possibilité illimitée. Le Dieu qui est. Vous allez comment appeler mon thème à mon corps, à mon corps, vous allez pour la nabissonne à réseaux sociaux à autant. Tu vois le cœur de tout un chacun qui nous suit à travers le vent de la mort. A déjoué en gros au nom puissant de Jésus. Je les déjoue au nom puissant de Jésus. Et si Kabatia qui collait là, là où ils avaient établi de pleurs, qui est la joie plus irremplacée. Seigneur. Et ta grâce au Dieu de gloire puisse opérer. Na combo na Jésus Christ. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Pour l'honneur de ton nom, le Dieu. Nous te témoignons parce que tu fais pour toi seul. Pour que l'honneur te revienne à toi seul. Nous te rendons grâce en Dieu. À ton nom, Jésus Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, micro et pas, pasteur. Namaso nzamba sali tolobi kombo na ye ekumama libela na libela. Ya litomba ezali kaka elobeli oyo lezoloba. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Kati ya kondima na yo, okomona kembo na yawi. Merci pour nzambe asali. Maton di vreme zonge pa nepo akobisi biso na mokolo ya suka. Ok. Zaboyo, auti kosala, azoko papeka kosala. Yango tozozwa lokasa moko ya matondi awa, totanga ngo libela. Ekoma bibolingai papa elewa, nazokise likolo Yesu Kristo matondi mingi. Lolenge abateli nga na mobembo, nazalaki pe nazongi na kimya. Na yango nalobi kombo na ye ekuma ba libela na libela. Mbeka ya matondi $100 américain. Bete la kole sukus wakas. To profite pe para mon ko. Ko pe sa communiquer na biso. Ko pe sa communiquer na biso ya église locale communauté ya Ariwaga. Le lundi dimanche, lobi lundi. Salongo za général pour na ba frère Nios. Tozo ya pour na ko démonter ba tante. Mon salaire est à moindre terre. Vous allez quitter ta va remonter, dis-moi na ta va démonter. Vous allez wana pour bakolango baya kozwa. Ndenge to yokana ki poso ke leki di sous lobby. Donc vous allez obliger à ko futa di sous pa pénalité o ezalaka. Bongo frère oyoki. Après culte ya tongo na andia na male na ka lui. Bisonyo soto koutani awa na male, ba frère, on a kote monte, ba tante. Yango la kisi, polele kolo baboye. Ba culte na biso ezongi, loko le zalaka. Amen. Donc na male, programme yango ezongi, nenge zalaka. Mardi, vendredi après-midi, na ba tongo nyos. Na andia, ezongi pe. Avant midi, nyonso. Dimanche, Zoya. Batu a quartier, moko na angare, misato wana, bako sambela, na ba, église, na bako respective. Amen. Batu a andia, bako sambela, na andia, yamale, na male, akali, na akali. Programme, ezongi, ndenge wana. Ok. Pour la banze pour l'assemblée de saints. Ce que nous avons dit, nous avons dit que Didier Mavongo est aussi pour nous. Dans YouTube, adresse na Yezali, Didier Mavongo officiel. Ce que nous communiquons, Didier Mavongo officiel, nous avons un répertoire. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Nzamba sunga yo
Oso sola malamu, dogobe de la yo, makomi ebele te. Likomi eza bele ete, oya yebiko sala malamu, asala malamu na bato nyoso, mingi koleka na balinga mikati na kolo. Soki muta yebiko sala malamu, asali te, ye asumuki. Toza la pe, na limemia, na bato bayaka lokola mapaya, vous avez une hospitalité et pas une bango pour la cosa à la bongo parce que ce n'est pas un angelou n'a pas d'un coup sans le savoir mais écriture moko et y'a du cas et d'autres a nécessaire n'attendre la opotozonga très important l'Iga Botolini cosa la siko très très important. Et le mina miso boye. Oh. Ok. Verset 14 à Tite, chapitre 3. Et le mina miso, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer des bonnes œuvres. Pour subvenir aux besoins présents, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Ce que vous m'avez dit, verset 13, de Bazolo Badikambo, il y a Zenas, na Apollos, on a foutu la bango ticket, Bazonga, il n'y a pas outaki. Il est vrai, Bible Zolo Badabiso, que Bao Yabiso, Messana, kosala misala milamu pona kosunga na babosenga ezali kozala